Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, bon, il y a plus en plus de téléphones portables, il y a plus en plus de tablettes, les gens achètent. Mais pour se différencier et pour justement exprimer mon propre caractère et pour vraiment montrer qui je suis, donc notre slogan c'est I'm unique, c'est vraiment, les gens cherchent de vraiment personnaliser leurs produits. Et donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on propose. Donc aujourd'hui, soit les clients ils achètent une de nos designers, donc on a 4000 designers dans le monde entier qui nous donnent leur design et on reçoit plus que 200 tous les jours, où le client est choisi de personnaliser lui-même avec ses propres photos, avec des images. Et comment ça marche, c'est un vrai concept multicanaux, donc international à la fois, mais aussi multicanaux. Ouais. Donc, soit vous passez par le site internet et vous faites toute la personnalisation et vous passez commande et vous faites livrer à la maison, ou vous choisissez une de magasin et 30 minutes après votre achat en ligne, vous pouvez aller dans le magasin choisi et chercher votre coque. D'accord. Les produits, les coques, du coup, sont produites directement dans le magasin. Vous avez une forme d'usine, hein. Vous produisez les coques personnalisées directement dans le magasin. C'est bien ça. Donc aujourd'hui, dans chaque magasin, il y a une imprimante que nous, on appelle The Case ID. Et donc les clients, donc les coques sont produites sur place directement. Le client choisit son modèle. Et là, on a un vaste choix de références. Et par rapport à notre concurrence, on essaie toujours aussi de proposer des références qui sont peut-être moins commune que iPhone 6 ou 5. Voilà. Donc, les clients ont choisi ça. Ils choisissent aussi les couleurs du bordure, etc. Et après, son design, et on imprime sur place. Et comme ça, il peut partir directement avec sa coque personnalisée. D'accord. Peut-être pour terminer, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots la place du magasin dans ce dispositif? Quel est l'intérêt d'avoir ouvert des magasins dans ce dispositif global? Bah en fait, on s'est concentré au début de l'ouverture de points physiques parce que nous, on croit à fond à ce concept multicanaux. Et comme nous, on vend des produits d'impulse, donc les gens, il nous faut beaucoup de fréquences en fait pour un magasin marche bien. Voilà, donc le client, il veut voir son produit, il veut toucher et il veut être inspiré. Et comme cette concept de marque The Case, c'est un vrai concept d'expérience client. Donc là, on a créé des boutiques avec, donc chaque boutique ressemble aux mêmes choses. Donc, mais on a beaucoup de lumière, c'est blanc, c'est noir, il y a beaucoup de lumière indirecte, il y a la musique, etc. Donc une vraie expérience où le client a vraiment le sentiment qu'il est dans un univers de marque. Donc ça, c'est très important. Quelque chose qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore proposer en ligne ou sur des autres canaux. C'est pour ça, justement, on s'est concentré sur la partie physique. Et pour nous, c'était très important pour prendre cet positionnement qui, aujourd'hui, n'est pas, en fait, pas encore pris au niveau mondial, en fait, de vraiment avoir une marque, parce qu'il y a plein d'acteurs qui proposent des coques. Sans forte valeur ajoutée sur ce type de produit. C'est ça, c'est souvent la protection. Ouais. Pour nous, c'est beaucoup plus, c'est une accessoire fashion, c'est vraiment ça. Et cette positionnement haut de gamme, qui justement, c'est une marque globale. Donc, par exemple, en Asie, on vend aussi bien avec le même concept comme aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça, on a choisi cette chemin-là et voilà, on a notre but, c'est dans 2-3 ans d'avoir plus que 1000 magasins dans le monde entier et après, bien évidemment, développer tous les canaux qui vont avec parce qu'on vend quand même des coques pour le téléphone portable et pour les tablettes, donc tout le monde est connecté avec plusieurs écrans, donc voilà, d'avoir vraiment une expérience client qui se traduit sur tous les canaux. Très bien, merci beaucoup Katia et à très bientôt. Merci à vous.